Salut à tous, c'est Xion, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est un peu le bordel, le garage il est vraiment totalement plein. Plus ma nouvelle DT, donc qui elle aussi prend de la place forcément. Et en plus, là j'ai une moto à monter en 86. Donc je vais essayer de filmer parce que vous avez été nombreux à me demander de faire la vidéo, donc je vais le faire. Donc on va commencer par faire de la loupiote en ouvrant cette putain de porte. Le sol est mouillé, donc je peux pas venir m'installer dehors au soleil, etc. Parce que déjà, il n'y a pas de soleil. De deux, c'est mouillé. Et le problème, c'est que forcément, dans le garage, j'ai plus de place. Du coup, là, je vais sortir la DT et la MRT, histoire de faire de la place et de pouvoir bosser sur l'autre DT, la DT50, qu'on m'a apportée. J'ai réussi à m'aménager un petit espace de travail, donc on va pouvoir se lancer. Donc oui, il reste encore deux motos là-bas, tranquillement. Donc je vais rentrer la petite DT. On va lancer le travail. Et puis sinon, je vais aussi vous montrer les pièces qui vont aller dessus. Donc les pièces, elles sont juste ici. Donc tout est dans le carton. Et ça, c'est le pauvre Voca Big Bore qui était à mon ami Jules en MRT Free Jump, la bleue et blanche. Et donc il a vendu le pot à la personne qui m'a apporté la DT. Donc on va monter le pot de Julo sur le 86 et sur la DT qu'on vient de m'apporter. Donc au niveau des pièces, on a tout d'abord un kit d'admission mal aussi. Donc avec un carburateur PHBH de 26 mm. Hop. Il m'a aussi passé de la pâte à joint, mais je vais pouvoir lui rendre parce que j'en ai déjà. Donc ça va rester neuf. Les fixations du pot Voca. Et ensuite, vous connaissez, c'est le pack 86, donc qui contient le cylindre, piston, segment, donc le kit complet, et le vilo course 44 mm. Voilà, donc tout est là, tout est neuf. Donc c'est nickel. À mon futur, j'ai une grosse bosse dans le caleçon. Je m'en suis bien sorti pour un bon long. 7 ans plus tard, j'ai plus aucun talon. Pour rester sage, désolé, rien de tout. En plus, j'ai des problèmes, j'en avais pas la tête. Je suis désolé, seul les feux. Allez, moi que j'ai le prosé. Centaines de tours de soleil, ça passe vite, hein mon vieux. D'autres lattes, shit plein de plats pour trouver ma mère. J'suis dans la pile à plein son, sur le sol, semblant de pavot, sur le sol. Elle va devoir convaincre son mort. Just a tango, just a tango, just a tango.
rester debout. Je suis né pour rester assis. C'est autorisé, c'est pas votre chance, ça date. Vous avez passé le code, une activité au programme. Allez, on revient. Deuxième, moi. Ah, là, il y a une deuxième. Là, là on y va. Là. Allez. Et toi, tu me parles dimension. Je peux pas défier de mon avec porte. En sexe, on s'explose. Je suis le. And I love how things wish. Download the Wish app. Actuellement, la moto est démontée. Donc, j'ai pas mal galéré parce qu'il fallait sortir la boîte à air d'origine qui se trouvait ici. Donc, c'était assez chiant parce qu'il fallait démonter la boucle arrière. Donc, c'était un peu galère. Puis, comme d'habitude, hein, sur DT et X-Limit, c'est vraiment pas facile de travailler parce que parce qu'il n'y a pas de place. Donc, forcément, il faut sortir le moteur, il faut sortir l'axe de bras oscillant pour pouvoir sortir le moteur, le bloc. Donc, c'est un peu chiant. En plus sur cette moto là, il y a des trucs que j'avais pas encore vu moi. Vous voyez, il y a des caches contre la chaleur comme ça. Bon, ça on s'en fout, mais lui il était un peu gênant. Enfin ça va. Bref, donc il y avait des câbles d'un peu partout. Donc sur cette moto, sur cette DT, c'était encore plus galère que d'habitude. Enfin bref, voilà. Le propriétaire m'a apporté les pièces que je vous ai montrées, mais il a oublié de me donner les joints Speed Velo. Donc j'en ai recommandé, j'attends que ça arrive. Et puis du coup on attendra d'avoir les joints Speed Velo pour continuer.